Bonjour à toutes, je suis Lorraine. Et bonjour à tous, je suis Annick. Comme promis, voici notre vidéo pour le plat de fin d'année. Alors cette fois, nous cuisinons avec vous des paupiètes de dinde et une petite sauce au coin. Coin coin. Alors, nous avons commencé par faire préchauffer le four à 100 degrés. Et nous allons maintenant préparer d'abord la farce pour nos paupiètes. Alors, de quoi avons-nous besoin pour cette farce? Du haché de volaille, des champignons, quelques abricots que nous avons réhydratés, de la chapelure, un petit peu de gingembre, un oignon, de l'ail, un mélange d'épices, de 4 épices, un œuf, poivre et sel. Ajoutez à votre haché de volaille le gingembre râpé, un œuf, 2 cuillères à soupe de chapelure, de l'ail émincé, les abricots réhydratés et coupés en dés, les champignons coupés, l'oignon émincé et finalement une bonne cuillère à café de mélange 4 épices. Il ne vous reste plus qu'à bien mélanger et poivrer et saler selon votre goût. Prenez vos filets de dinde et roulez-les en plaçant la farce dedans. Répétez ça pour tous vos filets. Une fois les paupiètes prêtes, placez-les dans le four pendant que nous préparons la sauce au coin. Pour la sauce au coin, il vous faut 2 coins dont on va prélever la chair, un oignon, du bouillon de volaille. Ici, c'est un fait maison, mais vous pouvez en acheter du tout fait. Le jus d'un citron, un peu de gingembre, un peu de cardamome, du sirop d'érable et un peu d'ail. Pour la sauce au coin, pelez et coupez vos coins en gros morceaux. Placez-les dans votre blender, ajoutez l'oignon, la cardamome, du gingembre émincé, de l'ail, 200 ml de bouillon de légumes ou de volaille, du jus de citron, et finalement, du sirop d'érable.
Mixez le tout. Couvrez vos paupiettes de la sauce. Et laissez cuire à basse température pendant 2h30. Nous avons servi les paupiettes avec un lit de salade, des frites de patates douces et des graines de grenade. La deuxième étape est terminée. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dimanche pour le dessert. À dimanche. À dimanche.